tous. La 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 sainte journée. Là, je vous demanderai de cesser de m'interrompre. Fastoche. Je m'appelle Brigitte, mais c'est de la folie. Ah non, non, vous inquiétez pas, c'est fait exprès, bien sûr. Moi, je dis stop. T'as vu, mais c'est faible, mon coquin, dis-donc. Hop là. Bienvenue, bonsoir. Anne-Sophie de la Coquillette, ça fait plaisir de vous revoir. Oh, moi aussi, Laurent, moi aussi, alors, moi aussi. Anne-Sophie voulait proposer un projet, je crois, pour oui. La création de Marianne. Bien sûr, j'ai ouï dire que la nouvelle Marianne allait enfin redevenir anonyme. Comme Evelyne Thomas, d'ailleurs, tout cela est très logique, finalement. Ah, alors, dès que j'ai su ça, j'ai enfourché mon sanglier le plus véloce et hop, direction la capitale. Oui. Bon, je n'allais pas laisser passer une si belle occasion de mettre en pratique mes talents de sculptrice. Vous sculptez? Mais bien sûr que je sculpte. Ah, depuis toujours, je sculpte, je taille, j'adore ça. Alors, j'ai une passion. Non, j'ai une préférence, je vais vous dire tout de suite. Oui, j'ai une passion pour les matières molles. Ah. Oui. Bien sûr. Mais pourquoi pas? Hein, vous voyez, l'argile, la terre glaise, la merde, la pâte à modeler. On est fous. Hein, la pâte à modeler, le pénis de mon mari aussi, oui, pourquoi bien pas sûr. Tout ce qui est modelable. J'adore ça. Mais je peins également, vous savez ça. Qu'est-ce que vous peignez? Ah, je peins des natures mortes. J'adore ça. Des animaux morts parce que. Oui, non, parce que quand c'est vivant, ça bouge tout le temps, c'est pénible, on peut pas le. Oh, toujours à secouer la truffe, dire, reste en place. Voilà. Et là, vous comptez vous atteler à Marianne. Tout à fait. Alors, c'est un projet qui que je... allez-vous choisir comme modèle? Qui allez-vous choisir comme modèle? Oh, comment osez-vous poser la question, mes créants généraux Fivrelin? Mais vous êtes fous? À votre avis, mais qui mieux que moi pour incarner les valeurs de la République? Ah, c'est hein? Vrai. Oh, bah, bien sûr. Ah, oh, bah, je m'y colle, évidemment. Ah bah bien sûr, c'est simple, je vais mettre un bonnet de schtroumpf et hop, je fais un autoportrait, enfin, un autobuste, si je peux me permettre. Voilà, tout simplement, c'est facile. Qu'est-ce qu'il y a? J'aimais bien Terminus, tout le monde descend. Ah oui, mais je vais enlever, ça, vous voyez, dans l'énergie de la phrase, ça allait retomber. Ok, alors, d'accord. Voilà. Ceci dit, c'est retombé quand même. Alors, là, on s'en fout, on est fou, on est malade. Comment allez-vous procéder, s'interroge monsieur Tremplin-Guéry. Vous en remettez une couche. Alors, comment je vais procéder? Bien par moulage, tout simplement. Ah. Voyez-vous, oui, je vais m'enduire. Enfin, en tout cas, je vais m'envelopper la poitrine dans de l'argile. Oui. Et puis ensuite, je démoule, tout simplement. C'est très simple. Hein. Oui. C'est un procédé que j'adore. Alors, je vais tester un autre procédé sur mon aîné Charles Apollon. Je l'avais oint de plâtre mélangé à du ciment. Et hop, je l'ai mis au four à pizza pour le faire sécher. Manque de bol, impossible de le démouler. Du coup, j'ai jeté 3 tranches de chorizo, un peu d'huile picote. Hop, j'ai cassé la croûte. Ah, avec un burin, comme ça, j'ai cassé la croûte. Mais qu'est-ce qui vous a... Oui, on a compris. Cassé la croûte. Mais Jean-Luc, allez, mon vieux. Vous êtes un peu... outrénaillé. Oui. Monsieur Tropaguéry se demande. Qu'est-ce qui vous a donné le goût des arts graphiques? Alors, ce qui m'a donné un petit peu le goût de la sculpture, de la peinture, c'est que j'étais modèle étant jeune. Ah. Oui, je posais nu au Beaux-Arts. Le Beaux-Arts, c'est un pipe chaud qui jouxte le... qui jouxte le domicile de Monsieur Lemoine, comme c'est étrange. Je dirais même que c'est Beaux-Arts. Bref, voilà, non, c'est ça vous qui m'a... Vous avez dit Beaux-Arts? Oui, j'ai dit Beaux-Arts. Non, c'est ça qui m'a donné le goût, oui, tout à fait. J'ai enlevé la dernière phrase. Après le buste... Oh, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Après le buste de Marianne, oui. Est-ce que vous avez d'autres projets? Oui, tout à fait. Je suis en train de réaliser des petites figurines de plomb. Ah. Vous savez, des petits soldats, enfin des soldats comme trois pommes, comme ça, pour mon aîné Charles Apollon, pour qu'il s'amuse comme ça. D'ailleurs, je tiens à remercier messieurs Vandel et Benguigui de m'avoir servi de modèle pour faire un diable beaucoup aidé. Allez, je file, hop là. Bonne Au revoir. Florence Foresti, évidemment.